Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ce week-end, on a décidé de vous présenter le Stanley Fatmax X3 Green. Donc, c'est le laser 3 lignes 360 degrés de chez Stanley Fatmax. En association avec la cellule LD200 qu'on va également vous présenter. Donc, c'est une cellule de réception pour porter la réception du laser jusqu'à 50 mètres. Alors, c'est un laser 3 lignes, donc on vient retrouver une ligne horizontale et deux lignes verticales formant la perpendiculaire. Alors, le laser est vendu avec ses lunettes, donc c'est des lunettes vertes qui permettent en fait de mieux voir le faisceau lumineux quand on est dans un environnement lumineux. Il est vendu avec une petite mire qui est pareil, ça permet de bien différencier le faisceau lumineux. Et enfin, un support avec les deux pas de fixation dessous. Donc là, j'ai déjà fixé la plaque pour le trépied qu'on va utiliser. Il est également aimanté à l'arrière et on a un réglage micrométrique avec une molette pour monter et descendre le niveau qu'on veut. Donc ce laser est IP54, ça veut dire qu'on peut s'en servir par temps de pluie en extérieur. On vient retrouver à l'arrière du support deux plaques aimantées qui permettent, par exemple, imaginons que ça c'est un rail de plaquiste, et bien on va pouvoir venir du coup s'aimanter dessus tout simplement. Et comme je vous disais, on va retrouver sur le côté droit un réglage micrométrique. En fait, il suffit de tourner pour s'ajuster par rapport à un niveau de référence qu'on a besoin. On vient retrouver ici le bouton de démarrage, un voyant lumineux qui indique l'état de la batterie. On a ici un bouton qui permet de jouer sur 5 sélections. Donc naturellement, il se démarre avec le laser à l'horizontale. La position 2 permet d'avoir le laser qui est ici à la verticale. La position 3, on a et la verticale et l'horizontale. En position 4, on va retrouver du coup les deux verticales. La position 5 allume l'ensemble des lasers. Ici, on va avoir un voyant lumineux qui va s'allumer dès que la compensation maximum du laser est atteinte. Et enfin, on retrouve ce bouton qui permet de sélectionner le mode avec la cellule. Ici, on a le bouton pour démarrer. On retrouve ici deux positions de précision. Donc avec la position la plus précise, on va être à 1,5 mm de précision pour 10 mètres. Et avec la position la moins précise des deux, on va être aux alentours de 3 mm pour 10 mètres. Ici, on retrouve le bouton qui permet du coup de sélectionner soit de ne pas avoir de son, soit d'avoir un son assez fort, soit un son plutôt modéré. Si on rappuie tout simplement une fois sur le bouton démarrer, on va pouvoir afficher trois diodes qui s'allument derrière et qui permettent en fait d'avoir le niveau bas, le niveau haut et le niveau médian qui correspond au trait à tracer. Ici, on a l'axe qui est repéré de chaque côté de l'appareil et qui permet de, une fois qu'on a notre repère par rapport à notre laser, on peut venir mettre un coup de crayon sur le mur dont on a besoin de connaître le niveau. Alors, parmi les usages du coup de la cellule de réception, deux types. Ça peut être par exemple pour la pose de terrasse, si on veut niveler ses plots, donc ça c'est faisable avec la cellule. En pose de cuisine également, c'est-à-dire que entre le bas de la cellule ici et l'axe du faisceau, on a 52 mm. En pose de cuisine, la hauteur d'un caisson est à peu près à 870 mm, ce qui fait qu'à 922 mm, si on place notre laser à 922 mm, on va pouvoir tester chaque partie du caisson de cuisine pour savoir s'il est parfaitement de niveau. Et notamment, quand on règle les pieds arrière des caissons de cuisine, et bien tout simplement, on pose la cellule de réception, on se glisse dessous, on règle le pied et ça va être réglé à l'oreille. On n'a pas besoin de se relever pour voir si le laser est sur le caisson.
X3 Green 360 degrés. C'est un produit qui est hyper qualitatif. Il se retrouve directement en concurrence avec le Bosch GLL 380. C'est des lasers 360 de couleur verte. Donc pourquoi le vert? Parce que ça va permettre de mieux le voir dans des endroits lumineux. Donc avec ces 50 mètres de portée utilisable avec la cellule, on a une précision qui fait partie des meilleurs lasers actuellement sur le marché. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Max Schutti. Donc je vous remets le numéro de téléphone et le mail. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!